Donc aujourd'hui, je suis au Marais Léon Provencher. Juste à côté, on va avoir aussi des hôtels à insectes. Donc ils sont chanceux, ils vont avoir des petites zones où ils vont pouvoir soit nicher, en fait, pondre des œufs. On va retrouver notamment des abeilles solitaires. D'autres insectes vont utiliser ces cabanes pour hiverner, en fait, pour se reposer aussi. Comme vous le savez peut-être, on a une diversité d'habitats, en fait, qui est très importante ici. Donc dans le marais, on va retrouver notamment dans les espèces particulièrement jolies, en fait, et intéressantes, ça va être les odonates. Donc les odonates qui vont passer des fois de 1 à 3 ans, en fait, sous forme larvaire dans l'eau. Donc ça va être des carnivores. Elles vont se nourrir de petits poissons, de têtards et autres. Et puis ensuite, elles vont ressortir et puis là, elles vont manger tous les insectes, tous les moustiques, des fois, qui vont pouvoir nous embêter aussi. Ces libellules, ces demoiselles, donc on va pouvoir les retrouver un peu partout après se nourrir d'insectes, notamment jusqu'au fleuve. Donc le fleuve, ça va être aussi un bel endroit où on va pouvoir retrouver des insectes, donc notamment des éphémères, qui vont pouvoir se développer, sortir et puis, comme leur nom l'indique, survivre quelques jours et puis juste le temps de se reproduire. Dans la forêt, on va avoir en fait une quantité assez importante de bois mort. Et ce bois mort, ben, en fait, c'est un indicateur de bonne santé d'une forêt. Plus il y a du bois mort, plus la forêt va être considérée en santé. C'est qu'en fait, ce bois mort, ça va permettre à des insectes qui sont spécialisés dans la décomposition du bois, qui vont pouvoir se nourrir de ce bois mort, qui vont pouvoir se reproduire à l'intérieur. Et puis ben, ça va être une source de nourriture aussi pour plein d'espèces animales, notamment donc les oiseaux. En ce moment, notamment, on a de la verge d'or là qui va être en fer, donc ces grands panaches jaunes. Et puis sur ces verges d'or, en fait, on va retrouver vraiment une grande diversité de pollinisateurs. Donc les pollinisateurs, on pense souvent juste aux abeilles qui vont polliniser ou aux papillons, mais en fait on a vraiment une très très grande quantité de pollinisateurs, et notamment les guêpes, donc les guêpes, les bourdons qu'on va pouvoir retrouver ici en nombre. Donc une diversité de formes, de couleurs, peu importe quand vous venez, vous allez voir vraiment une grande quantité d'insectes. Mais en soi, ici au printemps, l'été, ça va être vraiment donc une diversité, notamment les monarques, en fait, les monarques qui vont se développer donc sur l'asclépiade de Syrie. Donc l'asclépiade qui est une espèce qui est toxique, en fait, donc les monarques vont pouvoir se charger de cette toxicité pour eux-mêmes devenir toxiques. Le monarque qui fait quand même des migrations de plusieurs milliers de kilomètres jusqu'au Mexique. On va avoir en fait une dizaine d'espèces d'insectes qui vont être vraiment spécialistes de cette plante, qui vont également s'en nourrir, se charger de sa toxicité pour devenir toxiques eux également. Et puis bah, c'est le cas pour l'asclépiade, mais c'est le cas aussi pour d'autres espèces d'insectes. Donc là on peut se diriger vers l'hibernacle à couleuvre. Donc on va retrouver en fait principalement la couleuvre rayée ici, mais on va pouvoir retrouver aussi la couleuvre à ventre rouge là, qui est beaucoup plus petite, plus difficile à observer notamment. Et en fait les couleuvres, elles vont justement bien aimer ces zones aussi un peu plus chaude avec les pierres comme ça, donc ça va être des zones où elles vont pouvoir se réchauffer, puis ensuite aller chasser des petits mulots, des petits campagnols, des grenouilles et autres. En fait, elles vont nous être très utiles dans ce sens-là, c'est pas vraiment des animaux qui sont agressifs, qui vont nous mordre par plaisir, là c'est vraiment un cas de défense. Puis la couleuvre rayée, en fait, même sa particularité, c'est qu'elle va produire un liquide malodorant. C'est toujours assez original, là, si on cherche à la manipuler, là, de se faire pisser dessus là, un peu, là, c'est... C'est un peu surprenant sur la première fois. Donc ici, on va avoir un étang donc là, qui est malheureusement asséché avec les conditions aussi. Donc un étang qui va être un habitat essentiel en fait pour les amphibiens, pour leur reproduction. Donc ces étangs, c'est aussi un peu la revanche des amphibiens sur les insectes, donc les odonates. Qui vont pouvoir se nourrir justement des têtards au stade larvaire, et puis bah, au stade adulte, ça va être les grenouilles qui vont essayer de se nourrir des odonates. Donc c'est toujours un petit combat entre ces deux groupes. Et puis bah, en fait, ces grenouilles, on peut les retrouver même ailleurs dans les plantes, là, notamment la rainette crucifère qu'on va pouvoir entendre chanter, donc son cri très aigu qu'elle va chanter à répétition, qui va vraiment résonner dans le bois. Et puis sinon, la grenouille verte aussi qui va faire un petit bruit de gorge assez étrange qu'on entend aussi souvent résonner quand on est à proximité d'un plan d'eau. Puis ce qui est aussi assez impressionnant avec ces étangs en fait, qui vont s'assécher au cours de l'été, c'est que la température de l'eau va vraiment influencer aussi le temps de développement des grenouilles. Donc dès que l'eau va en fait diminuer en épaisseur, bah, elle va avoir tendance à se réchauffer aussi. Donc ça va booster vraiment la croissance des grenouilles, donc ça va les stimuler en fait
à vite se développer, avoir leurs pattes qui vont sortir, et puis là elles vont pouvoir sortir de l'eau. Donc c'est sûr que dépendamment des conditions, de la variabilité environnementale, des fois malheureusement elles ne vont pas survivre parce que ça va se faire trop rapidement. Mais il suffit qu'il y ait une petite pluie à un moment donné et hop, elles ont juste assez de temps et puis elles vont pouvoir sortir. Et ici on a la sclépiade justement, j'en parlais tantôt avec le monarque. Donc on va voir justement des chenilles. Donc c'est pas des chenilles de monarque ici. Donc si vous ne savez pas son nom, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser une application qui est très simple maintenant, qui s'appelle iNaturalist. Grosse banque de données d'images en fait internationale. On va avoir des gens aussi qui vont pouvoir vous corriger dans vos identifications. Donc ici en fait c'est l'arctide de la sclépiade, donc un papillon nocturne en fait. Donc c'est vraiment très important en fait cette plante là. Elle va pouvoir se nourrir quand même d'autres plantes également, mais elle est vraiment spécialisée sur la sclépiade quand même.